Bonjour, ce matin avec mes collègues eurodéputés Karima Delli d'Europe Écologie et Nora Mebarek du Parti Socialiste, nous avons rencontré Margaret Vestager qui est la commissaire européenne à la concurrence. C'est elle, Margaret Vestager, qui est chargée du dossier fret SNCF dont je vous ai déjà parlé. Pour faire un peu d'historique, la Commission européenne a lancé le 18 janvier dernier une enquête approfondie contre fret SNCF. Et même si l'enquête n'est pas terminée, le gouvernement français a annoncé le 23 mai dernier la liquidation de fret SNCF. Je vous rappelle que le fret ferroviaire, ça émet entre 9 et 14 fois moins de CO2 que le transport routier. Et s'attaquer à fret SNCF, c'est s'attaquer à un des principaux outils de la planification écologique. Alors avec mes collègues Karima et Nora, nous avons voulu en savoir plus auprès de la donneuse d'ordre. Bon, je ne vais pas vous raconter l'histoire, hein, Margaret Vestager. On n'a pas réussi complètement à la convaincre. Elle n'entend pas remettre en cause les dogmes de la concurrence. Et ce n'est pas faute de lui avoir expliqué à quel point la concurrence, c'est nocif pour l'environnement et pour le climat. Mais toutefois, nous avons trouvé quelques failles dans le dossier, quelques grains de sable qui pourraient enrayer l'engrenage gouvernemental. Le premier, c'est qu'il n'y a aucune garantie qu'il n'y aura pas de report modal. Autrement dit, que les trains que doit céder fret SNCF à la concurrence, ça ne va pas se terminer par des camions en plus sur les routes avec toutes les conséquences désastreuses que cela va entraîner. Le deuxième, c'est que le calendrier est loin d'être aussi serré que ce que prétend le gouvernement et c'est plutôt une bonne nouvelle. Selon le plan de Clément Beaune, qui est le ministre des Transports, fret SNCF devrait dès le mois prochain prévenir ses clients que l'entreprise se désengagera de certains flux, comme par exemple le train de primeur, le fameux Perpignan-Rungis dont vous avez certainement entendu parler. Et quand on l'a interrogé sur le sujet, Margaret Vestager nous a répondu qu'elle était flexible sur ce calendrier. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune nécessité de passer en force, comme veut le faire le gouvernement, en liquidant le plus vite possible. Avec mes collègues au Parlement européen et à l'Assemblée nationale, nous allons continuer de nous battre pour sauver fret SNCF. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain avec les syndicats devant le siège de la SNCF.